Coucou, ces derniers jours, en me promenant dans les rues de la préfecture de Taliangshan, j'ai aperçu énormément de fans de la minorité Yi portant divers couvre-chefs ou des bijoux faits à base d'argent. Alors moi, je trouve ça très très beau et j'aimerais savoir comment c'est fabriqué tout ça. Aujourd'hui, nous avons invité un fabricant de l'argenterie Yi pour nous faire découvrir ce patrimoine. Je suis très curieux d'en savoir plus, alors on y va? Ouais, on y va. Let's go. C'est parti. Ni hao. Bonjour. Wow. 老先生，这些都是您做的吗？这些啊，都是我全部都是我做的。这个我们银子是相当这个很富贵的，我们银子就是喜欢戴银子。我是十四代的一个传承人，我是十二岁就开始打爸爸绣。你能帮我们介绍一下桌子上这些不同的银器都是什么吗？ 这是那个口子，这些是酒杯，底下这个是酒帕，这个是酒壶，这个是红茶的这个杯，这个是这个头饰，条纹、纽纹啊，就是这样条的。这个是一转冰，一切就是很宝贝的，差不多一万多。 Et quelles sont les étapes et le processus de fabrication de l'argenterie? 我们打银子的话，先称，再融化，然后再打，打起皮皮，剪断了来剪好了，把它磨一下，光滑，然后再松，再细。 Nous voici arrivés au moment le plus attendu. On est en train de travailler sur cette feuille d'argent. Le maître nous a demandé de dessiner donc un papillon. On a terminé la sculpture. Maintenant, on enlève les clous qui servait donc de garder cette feuille d'argent sur place. J'arrive pas à le tirer. En arrière, comme ça, je crois. Voilà. Voilà. 我们其实没有完全做完，我们少做了一半边，但这个我们做了已经半个多小时了。哎，明雅，你结婚了没有？啊。为什么这么问我呀？哎，你如果有机会的话，买我的那个小牌一套。哇。 Oh là là, c'est super joli, tu vois. C'est magnifique. J'ai envie de voir sur moi à quoi ça ressemble. Et ça sonne. Et Coco, si tu essayais cet habit et puis on voit à quoi ça ressemble sur toi. D'accord, je vais essayer. Ok. Waouh. C'est magnifique. Ça te va comme un gant, Coco, vraiment. Ouais. Et c'est lourd. Alors, je sais que c'est un gant. C'est un gant. C'est un gant. C'est un gant. 必须要有会就是出价就是卖一套，他的一生中就是只卖一套，就是差不多3万多块钱。Voilà, c'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu, l'argenterie est un patrimoine culturel très célèbre ici de minorité de Yi. Et si jamais vous voyagez ici, ce patrimoine est incontournable. Et à la semaine prochaine pour une autre vidéo de Coco Studio.